Gesicht dann in der Kamera. Excellent. Et ce que je pensais, dans le fond, le voix, on le rentrerait comme ici. Mm-hmm. Puis tes pierres, je viendrais les mettre tout le long là. Ok. Que ça en passe. Sans arrêt.
Bon, ben, petite photo du couple, hein? Yes. Comment ça, tout le monde est en bas? Tes enfants vont voir comment t'étais à maman. Tes enfants. Je le voyais, mon parfum. T'es cagasse. On va vous rejoindre là-bas. Non, c'est bon. C'est bon. Oui. Salut.
tout le monde. C'est un poème, je dirais, qui parle de l'amour. Comme titre, Imaginez l'amour de Dieu, selon Martin Gray. L'amour n'est jamais contrainte. Il est joie, liberté, force. Et c'est l'amour qui tue l'angoisse. Là où l'amour manque, naissent la peur et l'ennui. L'amour est emportement. L'amour est enthousiasme. L'amour est risque, surtout. Hein? N'aime et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs sentiments. L'amour est générosité. L'amour est prodigalité. L'amour est échange aussi. Qui donne beaucoup, reçoit beaucoup en fin de compte. Car nous possédons ce que nous donnons. Aimer, ce n'est pas mutiler l'autre, le dominer, mais l'accompagner dans sa course et l'aider. Savoir accepter l'autre tel qu'il est, être joyeux du bonheur qu'il trouve, l'aimer dans sa totalité pour ce qu'il est. Laideur et beauté, défauts et qualités, voilà les conditions de l'amour, de l'entente. Car l'amour est vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre, surtout. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. As long as
Bonjour à tous. Ça, c'est un verset pris de la Bible, du livre des Corinthiens. Je vais la lire en espagnol. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con dureza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. ¿Es que vous le voulez en français? L'amour, je vais faire de mon mieux. L'amour est patient. L'amour, il donne. L'amour, il n'est pas égoïste. Il ne se jacte pas. Il n'est pas plein de fierté. Non, c'est, non, il n'est pas dur. Il n'est pas égoïste. Il ne se fâche pas facilement. Il ne garde pas la rancune. L'amour ne se délite à la méchanceté, sinon qu'il cherche la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il attend tout. Il tolère tout. C'est ça l'amour. Cela ne m'a pas pris beaucoup de temps pour tomber en amour avec toi, Rachel. Je me suis vite rendu compte que tu es tout ce que je cherchais chez une femme, et même plus. Deux pouces de plus, en fait. Mais cela ne m'en fait que plus à aimer. Et avec tes gènes, nos enfants, eux, pourront peut-être faire une carrière de football américain. Mais plus sérieusement, comme les gens peuvent le voir aujourd'hui, ta beauté a grandement contribué à me séduire. Mais ce sont tes yeux qui m'ont conquis. Plus précisément, ton regard. Dans ce regard, je vois tout ton amour, qui me comble de bonheur depuis le jour où je t'ai dit la première fois « je t'aime ». Tu as su... Tu as su, avec ton grand cœur et ta bonne humeur, ensoleiller mes jours les plus sombres de ces trois dernières années. Peu de gens le savent, mais l'accident de mon père m'a beaucoup affecté. Heureusement, Rachel, tu étais déjà dans ma vie. Tu as su m'accompagner, moi et ma famille, dans cette épreuve. Je sais depuis ce temps que notre couple est solide et que tu seras toujours là pour moi. Tu es devenu indispensable pour moi, mon autre moitié. Mon témoin Ellie dit souvent, si Esteban me dit qu'il n'a pas vu Bibi aujourd'hui, je ne le dérange pas. C'est tout simple, Rachel. Quand je ne suis pas avec toi, je pense à toi, au son de ta voix, à la chaleur que provoque dans mon cœur ton regard amoureux. J'ai trouvé en toi une complicité passionnée. Quelqu'un qui peut aimer autant que je peux aimer. Cela fait 3 ans que j'apprends à te connaître et au travers des différentes étapes de notre vie de couple, mon amour grandit. Que ce soit il y a presque 2 ans quand nous avons emménagé ensemble ou aujourd'hui où nous avançons côte à côte, tous les deux en quête de notre bonheur mutuel. Je te promets de t'aimer et de toujours faire le nécessaire pour te le démontrer. Je m'engage à ne plus jamais dormir ou quitter la maison sans avoir réglé une chicane. Je m'engage à visiter à tes côtés le plus grand nombre de pays possible. C'est avec tout mon amour aujourd'hui que je t'épouse, Rachel. Je peux pas l'embrasser, non? Pour ceux et celles qui se sont déjà mariés, vous connaissez probablement cette petite phase d'incertitude, de remise en question face à l'engagement qu'on s'apprête à faire.
Alors, question d'aider un peu. Deux semaines avant notre mariage, quelqu'un a dit à Esteban, « C'est quand même dommage de se marier si jeune, alors qu'il y a tant de belles femmes dans ce monde. » Merci, cher inconnu, je t'en dois une. Déjà qu'Esteban respirait le stress, alors là, je ne vous dis pas. Mais il semble que tu es tenu bon, puisque tu te tiens ici aujourd'hui. Avec Esteban, je connais l'amour et le confort. Le confort de ma personne. Je suis moi, je suis simple et ça lui va. Il me regarde avec amour, que je sois en robe de mariée ou avec mes bobettes trouées. Esteban, tu m'as fait comprendre que j'étais belle malgré tous mes petits complexes. Tu m'as aussi fait comprendre que j'étais un peu trop grande à ton goût. Mais ça va. J'ai rompu ma relation avec les talons hauts, exception aujourd'hui. Je pense à toutes les fois où tu as su me remonter le moral. Que ce soit en me chantant une chanson avant de m'endormir, même si tu finis par déformer les tunes en essayant tous les octaves possibles, en me faisant une bonne horchata comme je les aime, en me faisant une visite surprise au travail même si je travaille la nuit, ou encore en me brossant les cheveux, même si tu fais plus en arracher qu'autre chose. Ce que je te promets, c'est de ne jamais te faire oublier à quel point je t'aime, à quel point je suis fière que tu sois mon mari et à quel point je suis heureuse que tu m'aies choisie. Je te promets de pardonner tes erreurs et de faire de ton bonheur ma priorité. Je te promets de constamment travailler sur mes défauts, même si tu m'aimes tel que je suis. Et je te promets que je serai toujours là à tes côtés, que ce soit sur cette terre ou dans un ciel étoilé. Esteban Lopez, livre brun de Rachel Bruno, qui est ici présente pour épouse. Rachel Bruno, livre brun d'Esteban Lopez, ici, qui est ici présent pour époux. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, vous, Esteban Lopez, et vous, Rachel Bruno, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Alors, je tiens à dire que il y a un prêtre, un vieux prêtre qui a béni ses alliances. Oh, merci. Oui, fais-y mal. Voilà donc, mariés suivant la loi, je vous offre, au nom de toutes les personnes présentes et en mon nom personnel, nos meilleurs vœux de bonheur. Oui.
Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous avez hâte de voir notre cortège et nos mariés? Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec la présentation du cortège. J'aimerais qu'on accueille nos filles d'honneur, Geneviève, Lauriane, Lucie, Geneviève, Catherine et Marie-Joëlle, s'il vous plaît.
viento, tu continuo con sentimiento, tu negro te está bailando.
Yeah.
Thank you.
Vous n'avez pas d'enfant encore. Quand ça va venir, par exemple. Parfait, ça va venir, c'est bon. Qui, dans le couple, a fait la grande demande? Et on a une bonne réponse. On les applaudit, s'il vous plaît. Donc, on lève les mains, ça prend des questions, s'il vous plaît. On ne se gêne pas. Je vais aller vous voir. Ah, on a une ici. C'est qui prend le plus de place dans le lit? Qui prend le plus de place dans le lit? OK. On a un problème. C'est à ça que ça sert, ce jeu-là. Est-ce qu'on a des questions ici? Oui. C'est qui les cuisines? Qui fait la cuisine? OK, mais qui fait la meilleure cuisine? Ah, ben c'est encore Estéphane, c'est bon. C'est bon. Qui, dans le couple, a initié le premier baiser? Qui, dans le couple, a initié le premier baiser? Et c'est une excellente réponse! Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ça prend des questions, s'il vous plaît? Non? Aucune question? On va aller de l'autre côté. Qui? Ah, ici, une question. Parfait. Qui porte les culottes? C'est qui vient dans la cour? C'est qui porte les culottes? Esteban, il a compris quelque chose. Il s'est dit, là, je suis marié, on va lever les deux souliers. Hein? Mais Esteban, on peut dire que c'est elle qui porte les culottes, mais c'est toi qui décides quand est-ce qu'elle s'enlève. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ça prend des questions? Ici? Parfait. Qui est le premier à reconnaître ses fautes? Qui est le premier à reconnaître ses fautes? Parfait. Bravo. Mais c'est qui a le plus mauvais caractère dans le couple? Oh. Ouais, on peut dire que... notre petite tête, puis l'autre, hein, c'est... Fait que c'est toi qui as le plus mauvais caractère? Les deux? Vous comprenez bien. Qui dans le couple conduit le plus mal? Oh. Ok, je vais remettre la question. Qui a le plus de contraventions? C'est bon. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui? Qui fait le plus de tâches ménagères à la maison? Parfait! Qui, dans votre couple, a le contrôle de la télécommande? C'est bon, c'est une bonne réponse! Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui! Qui dépense le plus? Oh! Qui? Ça porte long à lever le soulier, hein? Qui dépense le plus, c'est Esteban, mais qui paye les factures à la maison? Est-ce qu'on a une dernière question pour nos mariés avant le dessert? Non? Qui? Qui dans votre... Oh! OK! On y va! On y va avec eux là-bas! Excusez-moi! Bonjour, mademoiselle! Comment tu t'appelles? Louise. Donc, quelle est ta question? Qui est le plus sensuel des deux? Oh! Qui est le plus sensuel des deux? C'est une excellente réponse! On a tous les deux mariés, Rachel et Esteban, s'il vous plaît! Et ça mérite un baiser! Sur ce, bonjour à tous, je m'appelle Élie, je suis le témoin d'Esteban. Désolé. J'ai connu Esteban en seconde fois. La première fois qu'on s'est vu, on s'est mis par la race. Mais il faut que je donne une raison, j'étais en avant en seconde. Après le secondaire, exactement qu'on a eu en 18 ans, grâce à Luis Ramirez, on a commencé à sortir ensemble, que lui allait dans des bars. Nous sortons 3 à 4 fois par semaine. Je demandais à la maman d'être bonne, je m'en disais, c'est gagné. Puis de là, grâce,
à ça, notre amitié s'est renforcée, mais plus exactement à cause de mon chat. Et comme ça, mon chat, c'est la écho. Elle a tellement mal vécu les choses, qu'on a tellement eu de bons souvenirs avec, que Dieu est son âme. Moi et lui, c'est Stéphane, on a rendu qu'on pouvait en faire. On a rendu à faire ça chaque jour, on se voit à chaque jour, comme je traite mon frère, aujourd'hui, c'est encore mon frère. Ok, on va sauter un peu de temps d'espoir. Quand Stéphane a rencontré Rachel, quand il m'a dit qu'il sortait avec, dans ma tête, je suis comme. T'as plus de chances qu'elle soit mieux de l'exposition de grâce que leur couple. Mais, je le supporte quand même, j'ai jamais dit ça. Je lui ai dit, ok, vas-y, je t'encourage. Mais j'ai vu c'est pas les bonnes choses qu'ils ont apportées dans leur couple. Ouais. Tu m'as appelé. Ouais, c'est pas grave, j'ai dit. J'ai ramassé après. Ok. Et Stéphane, quand je lui connais, c'est un gars qui n'aime pas la personne du premier jugement, il va jamais l'aimer pour le restant de ses jours. Mais grâce à Rachel, peu à peu, elle a commencé à changer. Et c'est pas juste Stéphane, même Rachel, quand je l'ai connue, c'était une fille à la lettre. Elle suivait les choses à la lettre. Mais Stéphane a appris à la dénoncer, c'est ça que j'ai aimé de lui. Mais le plus, c'est que j'ai aimé, j'ai compris que oui, ils vont aller bien ensemble, c'est à chaque fois, depuis qu'ils se connaissent, et ils se regardent, ils se regardent toujours avec le même regard amoureux. C'est rare à voir ça, et c'est beau à voir. Je voudrais connaître ça aussi dans ma vie un jour. Donnez-moi deux secondes. Et tout ça, l'évolution que j'ai vue dans leur mariage, que moi je connais de A à Z, j'ai apprécié ça, je suis heureux d'être aujourd'hui là dans cet événement-là. Mais avant ça, je vais juste vous raconter une histoire. C'est l'histoire de ceux qui ont de ce stylo-là, que vous ai raconté, je vais la raconter à tout le monde. À l'âge de 16 ans, c'est mon premier emploi, c'est PWD. Je travaillais dans Costco de dégustation, c'était un emploi étichant, en d'autres termes. Mais il y avait une madame gentille, elle s'appelle Aimée, qui était jolie tout le monde, ma mère et ma soeur. À Noël, elle m'a donné un cadeau. C'est un stylo, il vaut cher, puis il y a mon nom là-dessus. Je lui ai fait la promesse que la première fois que je l'ai utilisé, ça m'enseignera quelque chose. Dans ma tête, moi qui rentre en économie, je vais ouvrir une compagnie, je crois que j'ai signé mon premier contrat dans mon entreprise. Mais j'ai eu tort. J'ai fait la chose le plus beau. C'est aujourd'hui la première fois que je l'utilise. Ça, c'est ce stylo. Je vais finir par la citation de mes amis. Premièrement, c'est Walter Diego, Esteban et Rachel. Je dis, vous êtes massifs, vous venez dit. Puis Esteban, Rachel, tu sais quoi, je dis toujours, tu es ma péripatéticienne. Péripatéticienne. Je peux pas le dire en autre manière. Merci. Maintenant, c'est Miss Mabénas qui va faire son discours. Première chose. Puis, depuis là, jusqu'à maintenant, secondaire 2, là, t'es en train de parler de 2017 à peu près. On est des amis, je le considère comme un frère. Je suis vraiment content et heureux d'être présent aujourd'hui, pendant son mariage. C'est un frère pour moi, je suis heureux pour lui. C'est sa journée aujourd'hui. Puis vous êtes tous d'accord aujourd'hui. C'est un merveilleux mariage. Ils sont vraiment heureux, ils sont faits pour être ensemble. Puis j'aimerais vous remercier pour être ici. Puis je suis vraiment content là. Puis j'ai pas de mots, je peux pas vraiment j'en vois avec des speeches là. Puis, je suis vraiment content d'être présent. C'est une journée fabuleuse, même s'il pleut. Aujourd'hui, tout le monde est heureux. Je suis heureux, ils sont heureux. Puis on va applaudir pour eux.
Valérie. Toute sa vie, elle a toujours voulu rencontrer son prince charmant. Elle rêvait d'un Mexicain de presque 23 ans. Un bel homme à l'aspect soigné, avec un petit basalier. Un bon danseur guitariste, avec un plein de talent. Ils ont fait pas ça. Toute sa vie, elle a toujours voulu s'occuper de ses 7 enfants. Avoir toujours beaucoup de travail en se levant. Mais après avoir étudié pour devenir infirmière, il faudrait concilier la famille et la carrière. Il faut être fier. Que bonito es el esposo y qué linda es la esposa. Aïe, aïe, aïe! Fini la chasteté. Sont chanceux car ils vivent un bel amour, mais les préparatifs du grand jour sont laborieux. Un DJ qui s'est désisté, déception non l'évêché, la robe de mariée ajustée qu'il faut cacher. Est-ce que vous m'en trouvez? Amour, 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 si, si. Avant de continuer, ceux et celles, n'oubliez pas, qui désirent avoir des photos portraits studio, donc on vous invite à aller voir notre photographe, donc Lascar aussi pour les portraits photos studio. Oh!
Esteban, quand tu vas arriver à Rachel, tu dois te mettre les mains dans le dos et tu dois y aller chercher la jarretière à genoux, les mains dans le dos. Ça va? Les yeux fermés, si t'es capable, rendu là. Mesdemoiselles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui, oh, là, c'est sexy time, sexy boy Esteban, you know? Ok, DJ, on passe, c'est parti! Hey, on l'applaudit tout le monde!